Me too. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Bonjour. خليت الصباح نشمرك راك حتى واحد. Oui. كلنا شيمي 2 heures. وكانوا بريزون لي كاميرات تاعي. Oui. Pas خليت tous, نشوف. mais quelques. بس كنت نشوف لي بارتيسيبون كاين تيو. Oui. Donc on va attendre 5 minutes, sinon on continue. Donc si on a 5 minutes, on fait le TD. D'accord. Alors, on va continuer avec, avec l'exercice 4. L'exercice 4, attends, on a une matrice A. Donc, on a soit F, l'endomorphisme de R3, qui a pour matrice A dans la base canonique de R3. Donc, il y a la matrice avec un endomorphisme. Donc, on va faire un exemple rapide. Imaginez, attends,
Donc, imaginez qu'on vous donne F, une application, par exemple, de R3 vers R1. عطيكم هنا x y z نعطيكم مثلا x y plus z و 2x plus y moins 3z. Donc ici c'est une application linéaire. C'est quoi mal. Alors la matrice associée au smdero, dit les coefficients. Donc le coefficient de x c'est 1. Le coefficient de y, c'est moins 1. Le coefficient de z, c'est 1. Out la virgule, donc je saute la ligne. Le coefficient de x, c'est 2. Le coefficient de y, c'est 1. Le coefficient de z, c'est moins 3. Vous voyez? La matrice, on va l'appeler la matrice A, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Oui. Très bien. Donc, on a par exemple, qui a tel qu'un vecteur V. Donc, il y a tel qu'un vecteur V, par exemple, 1, 1, 1. Je voulais calculer F de V. Il y a F de 1, 1, 1. Donc, on a besoin de 0. On va remplacer le X le 1, Y le 1, ou Z le 1. Donc, ça va donner quoi? 1 moins 1 plus 1, c'est 1. 2 plus 1, c'est 3. Moins 3, c'est 0. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc, l'ordinateur, il ne fait pas comme ça. L'ordinateur va se midi. Il dit au méthane B1, il y a la base canonique de R3. Donc, B1, c'est quoi? Il y a 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc, je vais l'appeler E1, E2 et E3. Si je prends le vecteur V, il s'écrit comment par rapport à la base canonique? Donc, il s'écrit une fois E1. Donc, il s'écrit une fois E1. Donc, 1 fois 1, 0, 0, plus 1 fois E2, donc plus 1 fois 0, 1, 0, plus 1 fois E3, donc plus 1 fois 0, 0. Donc, là, je prends les coefficients, les 1, 1 et 1. Donc, V, comment il va s'écrire? Il va s'écrire 1, 1, 1 dans la base canonique B. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc, l'ordinateur, comment il va faire pour calculer F de V? Donc, mais remplacer, il va prendre la matrice A, il y a 1, moins 1, 1, 2, 1, moins 3, et il va la multiplier. De quoi les composants qui se mettent dans l'espace vectoriel? Qui fait? 1, 1, 1, la base B1. Est-ce que qui met les composants à l'espace vectoriel? Ouais, exactement. D'accord. Donc, il va la multiplier par 1, 1, 1. L'IOA V. L'IOA V écrit dans la base canonique B. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on a dit deux lignes. Donc, il a dit j'ai fait deux lignes. Ou on a dit une colonne. Il a dit j'ai fait une colonne. Il a dit j'ai fait. Donc, première ligne, première colonne, je multiplie la première ligne par la première colonne. Donc, j'ai 1, moins 1, c'est 0, plus 1, ça donne 1. Alors, on a deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, première colonne, 2, plus 1, c'est 3, moins 3, c'est 0. Donc, là, c'est F de V. Donc, on retrouve exactement le 1, 0. Donc, l'ordinateur, mais après, j'ai remplacé X, Y, Z, il drabhead la matrice fois le vecteur écrit dans la base comme. Est-ce que c'est clair? Oui, non? Oui, monsieur.
Très bien. Alors maintenant, si je prends B2, il y a la base canonique de R2. Parce que B1, il y a la base canonique, c'est le départ de R3. Ou B2, il y a la base canonique, c'est à l'arrivée, il y a R2. Donc B2, c'est quoi? B2, il y a 1, 0 et 0, 1. Ouais. Donc, allez, on va l'appeler les vecteurs, je ne sais pas, on a par exemple les vecteurs V1 et V2. Ouais. Alors, là, le F2V, il est 1, 0. Comment il s'écrit? F2V, il est 1, 0. Il s'écrit 1 fois V1 plus 0 fois V2. Donc, dans la base canonique de l'arrivée, F2V s'écrit 1, 0. Dans la base de l'arrivée, il y a B2. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc, alors, F2V, il est écrit dans la base de l'arrivée, il y a B2. Alors, dans la matrice, il y a A. Ici, il y aura la matrice associée à F par rapport aux bases canoniques de départ B1 et d'arrivée B2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un vecteur pour la base canonique. Parce que c'est d'abord faire la matrice, je vais te faire pour la base canonique, c'est l'arrivée. Donc, quand il y a un vecteur pour la base canonique, je vais te faire la matrice. Parce que la matrice est une. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui, monsieur. Très bien. Alors, maintenant, remarquez quelque chose par rapport à cette colonne. Rappelons bien la colonne l'oula, il y a N. Si vous prenez le premier vecteur, il y a le premier vecteur de la base de départ, 1, 0, 0. Quand tu as une sorte, vous avez dit le temps. Ça veut dire X plus 1, Y plus 0, Z plus 0. Donc, on va dire 1. 2. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ça veut dire N2. Ça veut dire que la première colonne, c'est quoi? C'est F2. E1. F2. E1. Hadi Rahmouk Souba, dans quelle base? Parce qu'on a dit Sora, on a dit F2E1. Rahmouk Souba, dans quelle base? B2. Voilà, là, on se voit dans la base B2, donc par rapport au vecteur V1 et V2. Qui joue F2E1, il y a 1 fois V1, il y a 1, 0, plus 2 fois 0. Alors, bien, je tenais N. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Alors, je vous la colonne Zawjahel. Moins 1. Alors, on a le deuxième vecteur, E2. Sora ta'a, c'est quoi? Remplacer x par 0, y par 1 ou z par 0. Nous allons dire moins 1, 1. C'est exactement la deuxième colonne. Donc, elle dit c'est F2, E2. Alors, la troisième colonne, 1 moins 3. Si je prends le troisième vecteur 0, 0, 1, donc je remplace x par 0, y par 0, z par 1, on dit Jenny 1 moins 3. Donc, là, 1 moins 3, c'est exactement F2, E3. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Donc, la définition de la matrice associée, c'est quoi? Huma la matrice, les colonnes tawha, donc après, on a la définition. Les colonnes tawha, huma souar, c'est les vecteurs de la base de départ. Mouktoubine la base de l'arrivée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je change de base, qu'on y a une base, je dis, par exemple, il y a un C1, il y a W1, W2, W3, base de départ, c'est R3. Ouais. Donc, on va dire au fait, il y a une base de E, je vois que c'est un départ. Ou il y a une C2, il y a maintenant T1, T2, base de l'arrivée, base de F. Ça y est. La matrice associée qui va se dire. Maintenant, on va se mettre les colonnes.
F de W1. Voilà, donc j'ai F de W1. La colonne Zawja F de W2. La colonne Theta F de W3. Écrit dans la base de l'arrivée, donc par rapport à T1 et à T. Voilà. On va dire qu'il y a un vecteur مكتوب في لا باس دو ديبار اللي هي سي 1 تضربها في هاد لا ماتريس يولي عندك الصوره تاع دونك هذا في يولي عندك الصوره تاع اف دو في مكتوبه في لا باس دو لاريفي اللي هي سي اسكو سي كلاو وي مسيو مسيو هادي نيمبورت كال فيكتور نيمبورت كال فيكتور واه D'accord. Alors, nous lisons l'exercice Tana. Il y a de corriger. Nous lisons l'exercice Tana. Donc, nous avons un nom, soit l'onde de forme de R3, qui a pour matrice A dans la base canonique de R3, notée. Donc, nous avons F, il y a R3 et R3. Donc, XO4. XO4. Donc, on dit F. رحمة R3 R3 وعطوني لماتريس أسوسية تاع بابور وباس كانونيك B0 B1 سي كوا دونك عطوني 0 1 دونك 0 1 0 0, 0, 1, 1, 0, 0. Voilà. Alors, il y a un endomorphisme. Pourquoi? Parce que le départ, il y a une seule arrivée. Donc, la base de départ, il y a une seule base de l'arrivée. Donc, il y a un B0, B1. On dirait B0. Ouais. Donc, B0, il y a la base de départ. Il y a une seule base de l'arrivée. B0, la base canonique, bien sûr, il y a toujours 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0. Donc, il y a E1, E2 et E3. Donc, le nom de morphisme est la chasse, parce que le départ, c'est l'arrivée. Donc, la base de départ, il y a juste la base de l'arrivée. Alors, la première colonne, elle représente quoi? D'après Osman Dalman. F de E1. Voilà, donc Hadi c'est F de E1, Hadi c'est F de E2, Hadi c'est F de E3. Écrit dans la base de l'arrivée, il y a ça la base de départ. Donc écrit par. Voilà, E2 et E3. Très bien. Donc, moi, je vais vous la question, soit F l'endomorphisme, ça. Je vais vous déterminer. F de EI. Donc EI c'est quoi? C'est E1, E2 et E3. Ouais. Puis F, rang F, rang F, rang F de EI. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va calculer le premier. F de E1. Alors donnez-moi d'après la matrice Hadi, c'est quoi F de E1? Donc qui va se croire? F de E1 c'est quoi? C'est 0, 1, 0. Voilà, c'est 0, E1, plus 1 fois E2, plus 0 fois E3. Donc, je vais te servir. E2. E2. Très bien. Maintenant, donnez-moi F de E2. E3. C'est E3. F de E3. E1. C'est E. Très bien. Maintenant, je vais calculer F rang F de E1. C'est quoi? C'est F de E1. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Donc, Hadi, c'est quoi? F de E1, c'est quoi? C'est de E2. C'est F de E1. Donc, Hadi, tu sais, oui, F2. E2. E2. Mais c'est F2. E3.
C'est E3. Donc F rang F de E1 est égal à E3. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, je vais calculer F rang F de E2. L'IA F de F de E2. L'IA F de E3. C'est quoi? C'est E3. Très bien. Donc F de E3, l'IA E1. Très bien. Alors, donc, je vais calculer F rang F de E3. L'IA F de F de E3. L'IA F2. Alors, F de E3, c'est E1. Ou F de E1, c'est E2. Alors, maintenant, je vais calculer F rang F rang F de E. L'IA F de F rang F de E. Alors, F rang F de E1, c'était quoi? E3. C'est E3. Donc, on dit c'est F de E3. E3. L'IA chal. Donc F rang F de E1 c'est égal à E. La même chose, si je calcule F rang F de E2 c'est égal à F de F rang F de E2. Donc F rang F de E2 c'est E1. Donc, c'est égal à F de E1. Mais F de E1, c'est quoi? C'est E2. Donc, F rang F rang F de E2, c'est E2. Maintenant, si je calcule F rang F rang F de E3, c'est F de F rang F de E3. F rang F de E3, c'est E2. Donc, c'est égal à F de E2. F de E2, c'est E3. Donc, ça veut dire quoi? Quitte à appliquer F trois fois, tu as tout l'île blast. Quitte à appliquer à l'île E1, tout l'île E1. Quitte à appliquer à l'île E2, tout l'île E2. Quitte à appliquer à l'île E3, tout l'île E3. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, monsieur. Okay. Alors, écoute, non. Donc ça y est, on a calculé. On déduit que a carré égale à a moins 1. Donc on a dit a carré égale à a moins 1. On a dit que a carré égale à a moins 1. Un vecteur v, écrit sur la base canonique b0, ou tu veux calculer la forme de la base canonique b0, on a fait ce derba. Tu le multiplies par quoi? Mais que bien d'un un vecteur, je te sais pas si tu as une matrice. Voilà. Tu as fait une matrice A. Avec A. Avec A. Il y a la matrice associée à F par rapport aux bases canoniques B0. C'est c'est pas fait de la matrice. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, non. Oui, monsieur. Ah. Maintenant, vous voulez dire ça? Vous voulez dire ça? F de F de V. Qui va se calculer? Vous? Dans la base B0. C'est F de F2. C'est F de V fois A. Voilà, c'est le F de V. C'est le F de A. Mais c'est le F de V, c'est quoi? C'est A fois V, V0. Oui. C'est quoi? C'est A fois A fois V, V0. Donc, en fait, F rang F de V,
c'est quoi? C'est A carré fois VB0. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Ça. Donc, si on continue, F rang F rang F de V, c'est quoi? Donc, c'est A cube fois VB. Voilà. V écrit dans la base canonique B0. Tchahada, il est écrit dans la base canonique B0. Mais non, je fais un bel équipe de F rang F rang F de V. Qu'est-ce que nous avons? V. Ah, on t'a fait le V. Ça veut dire que A3 est égal à quoi? 1. Je vais juste dire 1 parce que je vois un add. Je vais juste dire que nous allons remplacer 1 dans les matrices. Il y a la matrice. Identité. Avec les j'ai à Hagdo. Donc, I3, les j'ai à Hagdo. Vous n'avez pas n'importe quelle matrice, c'est pas une option. Il y a une notion de remplacer une infime matrice. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A3 est égal à I3. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, non? Oui, monsieur. Très bien. Alors, maintenant, nous allons dire deux scénarios. Puisque A3 est égal à I3, on va dire A fois A carré, ça va donner quoi? Changing. I3. I3. Vous pouvez dire A carré fois A. C'est-à-dire, ça va donner I3. Donc, le A carré, c'est quoi? C'est A moins 1. Voilà, c'est l'inverse de A. Parce que nous avons l'inverse de A. Ou l'équipe de la matrice, c'est avec l'identité. Ça reste qu'on est des deux côtés. Donc, puisque A carré qui se démarre A, c'est avec l'identité, maintenant l'inverse de A, c'est A carré. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Très bien. Donc, dernière question, Ganouna, vérifier en calculant le produit matriciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est A la puissance 3, parce que c'est l'identité. Donc, là, on ne va pas la faire, parce que je m'en dis autre chose. Donc, on va le voir juste le corriger. Donc, il y a des. Qu'est-ce que vous. Voilà, non, la question de l'exercice 4. Donc, il y a des. Qu'est-ce que vous avez A carré. On va mettre A carré de la fin A. On retrouve l'identité. Donc, il y a des I3. On dit que des 1 fois diagonale ou des 0 A. Donc, il calcule A à la puissance 3, et non, I3. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Donc on passe, on passe à nous. On passe à l'exercice 5. Donc l'exercice 5, on a soit E et F. Soit E et F, deux cas espaces vectoriels de dimension respective 3 et 2. Ou attendre B1 une base de E, ou B2 une base de F. Et F, l'application linéaire de E dans F. Alors, donc, nous devons expliquer. Donc, exercice 5. F de E vers F. Ou galouna, belli B1, il y a la base de E.
B1 est égal à E1, E2, E3, il y a la base de E. Ou B2, il y a V1, V2, la base de E. Ça y est? Donc le E, la base de E1, E2, E3. Le F, la base de V1, V2. Alors, maintenant, ce que nous avons. Trouver la matrice associée à F relativement aux bases B1 et B2. Donc A, il y a la matrice associée à F relativement aux bases B1, B2, est égal. Donc première colonne, on se mijifère. F de E1. Voilà. Deuxième colonne, F2, E2. Troisième colonne, F2, E3. C'est toujours soit un vecteur de la base de départ, écrit dans la base de l'arrivée, c'est-à-dire en fonction de V1 et V2. Très bien. Alors, F2, E1, Binjibura. Donc, F2, E1, Taurano. F2, E1 égale V1 plus V2. Donc, F2, E1. Est égal à V1 plus V2. Donc, on a qui veut G. Je dis la première colonne. Puisque F de E1 égale à V1 plus V2. 1. Voilà, donc j'ai 1 fois V1, Z. Plus 1 fois V2. Voilà, plus 1 fois V2. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui ou non? Oui, monsieur. Très bien. Ah, on a la gagne non. F2, E2, c'est 2 fois V1. Donc, F2, E2, c'est 2 fois V1. Donc, on a qui va se dire? 2, 0. Voilà, 2 fois V1 plus 0 fois V2. Ah, on attend, on a F2, E3. Voilà, F2, E3, c'est V1 moins V2. C'est 1 moins 1. Donc, c'est 1 fois V1 plus moins 1 fois V2. Donc, il y a la matrice associée à F relativement aux bases B1 et B2. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Très bien. Alors, nous foutons notre question. Alors, Drougen ou non, on considère la base B1 prime. Il y a E1 prime, E2 prime, E3 prime de E, défini par ça. Ou une autre base B2 prime, V1 prime, V2 prime de F, défini par ça. Déterminer la matrice de passage. Donc, nous voici maintenant. Attends, on a une nouvelle base pour le départ. C'est maintenant B1 prime. Les vecteurs Tcha, E1 prime. E2 prime, E3 prime. Une nouvelle base à l'arrivée, il y a B2 prime, c'est V1 prime, V2 prime. Ça y est. Alors, donc, qui nous bidlou les bases? Donc, on laisse une base jdida à le départ, ou base jdida à l'arrivée. Est-ce que vous avez? Oui, monsieur. Ça. دروك كون نعطيكم ان فيكتور مكتوب في لاباز كانونيك مكتوب في لاباز B1 وتبغي تحسب الصوره تاعها تضربها في هاد لا ماتريس اسكو زيد داكور وي بصح كون نعطيك فيكتور مكتوب في لاباز جديده هذه B1 بريم ما تقدرش تضربها في هاد لا ماتريس اسكو هاد لا ماتريس تمشى غير مع لي باز B1 اي B2 خاصك تعطي لها الفيكتور مكتوب في لاباز B1 تعطيك الصورة تاعها مكتوب في لاباز B2 بصح كي يكون فيكتور مكتوب في لاباز B1 بخيم هاد لا ماتريس ما مارش با خاصك تدربها في ماتريس واحدة أخرى اللي تعطي لها الفيكتور مكتوب في B1 بخيم وتعطيك الصورة تاعها في B2 بخيم pour te donner F2V dans la base جديدة B2 بخيم هاد لا ماتريس يسميوها لا ماتريس A prime. Est-ce que vous comprenez le problème?
D'accord, oui. Très bien. Maintenant, on va l'exercice quand nous avons vu dans matrice A. Alors, il nous demande s'il y aura la matrice de passage. C'est quoi la matrice de passage? Donc, on dira un exemple rapide, mais je te fais monter, c'est quoi une matrice de passage? Donc, imaginez, par exemple, R2. La base canonique de R2, c'est B2. هي واحد صفر صفر واحد صحيح نقولوا عطاك هذه سيرا باس كانون نسميوها E1 et E2 نقولوا عطاك كان اون باس واحد اخرى B2 بخير par exemple نديو 1-1 موانز 1 نسميوها E1 بخير et E2 بخير علاش هذه باس parce que la dimension C2 donc il suffit de montrer que cette famille est libre. هذا ماشي مضاعف تاع هذا دونك ليبر دونك سي تون باس اسكو راك معايا وي طيب ايماجين نعطيوك من فيكتور في باغ اكزومبل سي 2 1 قال لك كتبها في لاباس كانونيك دونك هذا كيفاش يكتب في لاباس كانونيك دونك يكتب 2 فوا E1 بلس 1 فوا E2 دونك يكتب هكذا 2 1 في لاباس كانونيك B2 Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Quand nous voulons que ce soit la base J, donc la base B2', on va se faire ce que D. Parce que c'est un V, c'est que ce soit le chèque alpha 1, E1', plus alpha 2, E2'. On va traiter alpha 1, alpha 2, J ou Hagdo, alpha 1, alpha 2, dans la base B2'. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. Ah. Maintenant, on a des alpha ninjibo. Qui veut calculer les alpha? Alors, quand j'ai compris l'examen de la question, qui veut que je donne les alpha? Alors. خدمناها ديجا هذه كيفاش كالكولو لي الفا انا سوزيت لا الو Oui, monsieur. Donc, qu'est-ce que je dis, non? Est-ce que vous m'entendez? Monsieur, est-ce qu'on remplace au qbel E1 prime ou E2 prime? Voilà. Après, tu veux... Oh, donc tu remplaces cette vecteur où il y a 2, 1 est égal à alpha 1 fois E1 prime qui est 1, 1 زائد alpha 2 fois E2 prime qui est ناقص 1, 1 on va dire que alpha 1 moins alpha 2 ou on va dire que alpha 1 plus alpha 2 après le système alpha 1 moins alpha 2 est égal à 2 et alpha 1 plus alpha 2 est égal à 1 Voilà, exactement. Très bien. Tu as le système où je vais dire alpha, tu as ton même. Mais maintenant, on va ajouter une nouvelle chose. C'est le système qui se trouve sous forme de matrice. Donc, on dit les coefficients. Donc, on est génie 1, 1. On est génie naqis 1, 1. Fois alpha 1, alpha 2. Tu sais, oui. On peut vérifier qu'il se donne alpha 1 moins alpha 2 égale à 2. On a dit alpha 1 plus alpha 2 égale à 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc, ça va couper avec le même code que d'habitude.